C'est Roberto Fonseca qui ouvre le bal cette année. Airpop revient pour sa 6e édition sans restriction. Un moment attendu par les Lyonnaises et les Lyonnais, incontournable pour démarrer l'été. On est ravis effectivement que cette sixième édition reprenne dans des conditions normales. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Alors, les dernières, on avait une édition déjà existante sous jauge et notamment en conditions assises. Là, on va enfin pouvoir retrouver tout le public debout, donc la pleine capacité qu'offre le Haras de la Vendée et avec le retour aussi des espaces de convivialité, notamment du bar. Donc là, c'est une configuration absolument normal, propice à la fête en famille ou entre amis. Et quoi de mieux que Roberto Fonseca et son jazz cubain pour commencer la saison ? Le public venu nombreux est bercé par les accords de piano de cet ancien membre du Buena Vista Social Club. On se sent bien, c'est la première fois que je viens à La Roche-sur-Yon. Une scène comme ça, on n'en fait pas tous les jours. Il fait chaud, il fait bon, donc on profite de ce concert, de ce premier concert, je crois. Je suis anglais, j'habite en La Roche-sur-Yon et c'est incroyable que chaque année, on a un festival comme ça de musique du monde. Donc pour moi, c'est incroyable. Chaque soir, c'est complètement différent de la musique. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas, je pense, en Angleterre exactement le même. Donc c'est absolument parfait. Ça n'est maintenant plus à prouver, la programmation du Airpop retrouve chaque année son public. Un public différent d'un soir à l'autre, en fonction de l'artiste qui se produit. L'ADN du Airpop, la découverte. On n'est pas sur un festival à entrée payante où il y a toute une économie derrière qui dépend du public. Nous, on connaît nos dépenses à l'avance et surtout on a une carte blanche de la part de la ville qui nous confère en tout cas la programmation depuis le début. Et on a vu qu'en tout cas sur les années avant le Covid, ça payait. L'année dernière, c'était différent puisqu'on était en configuration assise et qu'on a été complet très tôt. Là, on revient sur beaucoup plus de découvertes, des artistes moins francophones. Airpop, c'est 6 dates cette année plus une réservée aux enfants. À noter quand même, l'entrée est libre et gratuite.